Allez, la série reprend en change de catégorie. Nous sommes avec les cruisers 30 ans et plus. Et attention, bien évidemment, là-bas, un match au milieu d'une nouvelle fois. Attention, il y a une petite surprise parce que finalement, c'est le pilote de Sucy, la Sébastien Pouillard, qui a pris l'avantage. Alors, est-ce qu'on aura une réaction du côté de Villeparisis? Voilà, ne se fait pas attendre, elle est immédiate. Puisque finalement c'est Mathieu Rodriguez donc, qui a repris l'avantage Sébastien Pouillard à la deuxième position. Voilà Mathieu Rodriguez qui devrait faire donc lui aussi la phase de 3. Derrière son deux pilotes, on retrouve la troisième position. On retrouve donc le pilote de la à la lutte avec la quatrième place avec Sébastien Denis. Allez, des cruisers 30 ans et plus, c'est avec la série numéro 4 qui vient de s'élancer en une nouvelle fois par Nicolas Galin. Le pilote des rallyes, Nicolas Le Gentil, Frédéric Carpentier, le 2 et 3 étages en étant ses temps. Donc Nicolas et on retrouve à la quatrième place maintenant Thomas Masson, le pilote de Villeparisis. Devant donc toujours les rennais avec Nicolas Galland, lui aussi qui a déjà remporté ses deux premières manches et qui devrait s'imposer dans cette troisième manche. Nicolas Le Gentil à la deuxième place, qui pas Frédéric Carpentier à la troisième position. Et donc la quatrième place qui se confirme par Thomas Masson, le pilote de Villeparisis. La série numéro 5, La dernière série dans cette catégorie, les cruisers 30 ans et plus, c'est une influence de la série numéro 6 avec un mot par une à la 4ème place, demande par contre absolument aucun changement. Gaëtan Guilou, lui aussi déjà vainqueur des deux premières manches, qui s'apprête à remporter cette 3ème manche d'individu. Il vient chercher finalement la victoire dans cette dernière manche qualificative.